À Gaspé aujourd'hui vous est présenté par les caisses populaires des jardins de la baie de Gaspé et des Hauts Phares. À Gaspé aujourd'hui, de ce jeudi, on est le 7 décembre 2017. Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller à peu près dans tous les spectres que l'actualité et le milieu puissent nous donner. Écoutez, on va parler de santé, on va parler d'hydrocarbures, on va parler de quoi aussi? De spectacle de Noël, de guignolés. Bref, on en a pour tous les goûts cet après-midi. D'ailleurs, c'était la première fois. Écoutez, la guignolée des médias, ça existe depuis plus de 20 ans, particulièrement dans la région de Montréal, mais c'était la première véritable guignolée qui se tenait à ce qu'on m'a dit du côté de Gaspé, où on amassait de l'argent, beaucoup d'argent, je vais vous dire. On s'est installé avec la collaboration de CHNC qui l'organisait. Télé-Gaspé s'est joint à eux. Écoutez, est-ce que je vous le dis, qu'est-ce qu'on a ramassé ou pas? On attendait 200 $, là, on se disait, si on avait 200 $, on serait content. À un moment donné, dans les canisses, là, on avait des espèces de galons de peinture qui avaient été travaillés pour ramasser les sous ce matin. À un moment donné, on brassait les canisses là, sur le bord, au coin des rues Adams et puis de la Reine, puis on se disait, crime, pour moi, on va avoir 500 $. Ça rentrait à coût de 5 $, à coût de 10 $, à coût de 20 $. Là, on se disait, ouais, on va peut-être l'avoir, le 500 $. Mais combien on a amassé au total? On le saura dans un instant parce que on est allé faire un tour, évidemment, sur cette guignolée des médias et aussi rencontrer les acteurs. Pat Giguère de CHNC qui était là, Raoul Deraspe aussi, quand on a fait le décompte. Je peux vous dire une chose, c'est un super beau montant. Puis moi, c'était, comme je vous le disais au début, ma première participation à vie dans une guignolée des médias. Et je peux vous dire une chose, l'année prochaine, on va être là aussi. Alors, soyez là. Préparez votre change. On va vous avertir d'avance l'année prochaine. Rapport du 6 sur les événements survenus le 23 novembre dernier à Bonaventure. Vous savez, hier, hein, je vous disais que le 6 n'avait toujours pas remis ce rapport, dévoilé ce rapport, qui a été écrit qui a été déposé le 29 novembre au ministère de la Santé et qui n'est rendu public qu'aujourd'hui. Donc, le long délai s'explique parce qu'on attendait que le ministère de la Santé se dise, bon, OK, le rapport nous satisfait, vous pouvez le publier. C'est ce qui explique ce long délai, mais je trouve que ce délai est quand même très long. On a posé la question, c'est la réponse qu'on nous a donnée. Et on va en parler un peu plus tard avec, entre autres, des déclarations de Chantal Duguay, la PDG du CIS, qui a donné un point de presse sur l'heure du midi. Et on aura aussi en réaction le député Sylvain Roy. Ses premières réactions à chaud, là, il venait de prendre connaissance des principaux éléments de ce rapport. Et le député de Gaspé, on a posé la question à Gaétan Lelièvre, mais comme c'est dans les circonscriptions voisines, il préfère ne pas s'impliquer dans ce dossier-là, mais il ne peut pas ne pas faire de lien avec ce qui se passe dans les CLSC, les urgences 24-7 à Murdochville et du côté de Grande-Vallée. C'est là-dessus qu'il réagit. Puisqu'on parle du député de Gaspé, il s'est entretenu mardi une heure avec le ministre des Ressources naturelles, Pierre Moreau, qui est notre ministre régional. On avait prévu un calendrier pour discuter de toutes sortes de choses, mais finalement, un peu comme si ça s'était produit il y a 3 semaines à Gaspé, bien finalement, on a parlé exclusivement d'hydrocarbures. À la suite de la sortie des élus de lundi, il a posé des questions au ministre Moreau. Qu'est-ce qu'il en est? On a eu la réponse de M. Moreau hier. Vous allez voir ce qu'en pense Gaétan Lelièvre. Et on recevra tantôt sur le plateau aussi, à la suite de l'entrevue de Gaétan Lelièvre qu'on a réalisée un peu plus tôt cet après-midi, la réaction d'Environnement Vert Plus et Pascal Bergeron, qui est avec nous aussi en studio un peu plus tard dans l'émission. On va parler des aidants naturels aussi. Il y a de l'argent qui va être déposé pour eux. Et on va parler donc aussi d'un spectacle de Noël qui aura lieu la semaine prochaine du côté de Rivière-Ornard, un spectacle de Noël d'antan. Alors, où on va se remémorer de certaines façons. Puis je pense que ça va être le fun, là. Et on aura un peu plus tard, donc, attendez que je retrouve son petit nom, Martin Plourde, qui viendra nous en parler. Donc, c'est un menu extrêmement chargé qu'on vous propose cet après-midi. Je pense que la voix est en train de me lâcher. Ce qu'on va faire, on va aller à la météo.
et je m'aperçois qu'il n'y a pas assez plu hier, donc il n'y a pas assez d'eau dans ma tasse. Mais ça, c'est un autre problème. Après, pendant la pause, j'irai faire le plein d'énergie. Météo, ce qu'on nous prévoit pour ce soir et cette nuit, c'est un ciel partiellement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige ce soir, un minimum à moins 7. Demain, c'est une alternance de soleil et nuages, maximum moins 2. Samedi, du soleil, moins 2. Je vous le dis, on surveillait toujours ce système dimanche avec de la neige, moins 1. S'il y a quelque chose, je vous invite à surveiller la page Facebook de Télégaspé. Lundi, on parle de soleil avec moins 6. Mardi, 60 % d'averse de neige avec moins 4. Et un autre système qu'on surveille pour mercredi prochain avec de la neige pour l'instant, avec moins 4 degrés. Moins 2 et moins 11 sont les normales de saison. 6h57, le soleil s'est levé ce matin et il s'est couché à 15h22 cet après-midi. Hier, hein, je vous le disais, on allait avoir les statistiques plus officielles. On a eu 26,2 mm de pluie et 4 cm de neige, donc avant que ça se transforme en pluie. Donc, ça fait beaucoup de pluie quand même qu'on a reçu. 6,1, c'était le maximum qu'on a eu hier, moins 2,4 comme minimum. Et si on regarde pour l'ensemble de la période des précipitations, écoutez, ça veut dire un total de 7 cm avant que ça se transforme en pluie avec ces 26,2 mm qu'on a eu. Après la pause, on vous parle de la guignolée des médias. Vos lunettes ne reflètent plus votre personnalité? Les assistantes certifiées de la clinique d'optométrie OptoRéseau en vue de Gaspé sont qualifiées pour vous seconder dans le choix et l'ajustement de votre nouvelle monture au 8 rue de la Cathédrale à Gaspé. Pour un inventaire de produits complets au Québec, c'est aux roulottes Real Blue 1 que l'on trouve. Dédié au monde du VR, notre équipe sera vous servir. Comptez sur nous pour vous aider à réaliser votre rêve et partir à l'aventure en toute quiétude. Profitez pleinement des vacances en vous rendant aux roulottes Real Blue 1 à Rivière-aux-Renards. Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guylain Normand, directeur pièces et services, Terry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens, et Guy Cloutier à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspé, le service après-vente positif, notre priorité. Pour moi, LM Wind Power, c'est plus qu'un travail. Chaque jour, par notre respect de l'environnement, j'ai l'impression de contribuer un peu plus au monde de demain. Faites comme moi. Choisissez la vie que vous voulez vivre. Chez Home Hardware Antonin à Spiro, vous trouverez plusieurs marques d'outils comme King, Makita, DeWalt, ainsi que tous les accessoires pour ceux-ci. Chez Home Hardware Antonin à Spiro, 87 rue du Banc à Rivière-aux-Renards. Savoir. Profitez de votre passage au Uniprix de la place Jacques-Cartier pour visiter nos départements de cosmétiques, cadeaux et de décoration. Votre pharmacien de famille Martin Gagnon et son équipe vous invitent chez Uniprix de la place Jacques-Cartier. Parce que Uniprix, ça fait du bien. MIG Informatique est un prestataire de solutions des technologies informatiques unique en son genre, capable d'offrir aux PME des fonctionnalités de grandes entreprises tout en respectant leurs contraintes budgétaires. Contactez-nous au 418-368-3055. MIG Informatique est membre de TechSelect. Vous avez un projet de maison? Contactez Habitation Montcarleton. Notre but est de tout mettre en œuvre pour que votre projet de résidence soit une réussite. Habitation Montcarleton, c'est 25 ans d'expérience à votre service. Détails sur hmcmaison.com. Ce matin, il y avait un événement bien particulier à Gaspé, c'était la guignolée des médias. Vous avez entendu parler dans les grands centres, un peu partout. Ben, on le fait ce matin, Télégaspé, en collaboration avec CHNC. On est allé au coin de la rue Adams et de la Reine, dans le secteur du Tim Hortons, si vous voulez, puis on a ramassé beaucoup d'argent. On va vous dire dans le reportage 1024 $, mais j'ai eu un courriel tout à l'heure de Raoul de Raspe qui nous dit qu'on a finalement 1102 $ et 5 sous d'amasser grâce à votre générosité à vous. On n'a rien à voir là-dedans, sauf le fait d'avoir ramassé cet argent-là. Voici le résumé de ce qu'on a fait ce matin. Pat Giguère, salut! Salut! La grande guignolée des médias à Gaspé, CHNC, en collaboration avec Télégaspé, je pense que ça a bien fonctionné. Vraiment, j'attends d'avoir le résultat, mais c'est sûr et certain qu'on a dépassé le montant de 500 $. Puis ce qui est le fun, c'est que ça va servir aux gens les plus démunis de la région. Les gens ont été généreux, des 5, des 10, des 20, emmenez-en. Alors, c'est vraiment le fun. Comment se fait-il que CHNC a décidé de venir faire ça ici même ce matin à Gaspé? Bien, étant donné qu'on couvre de Rivière-aux-Renards jusqu'à Matapédia, on s'est dit qu'il faut être partout sur le territoire. Donc là, on a commencé ça par Gaspé. Et puis là, bien, je vais me déplacer à Chandler, Passepébiac, New Richmond, Maria, Carleton et puis Pointe-à-la-Croix vendredi. C'est un blitz de 2 jours, là. Vraiment, je fais la tournée gaspésienne. Tournée de la Gaspésie, c'est le fun. Et puis là, on le disait, donc, on voyait beaucoup de 5, de 10, de 20 $. J'en ai vu personnellement aussi. Donc, l'objectif, on avait
être objectif minime. On n'avait aucune idée du côté des gens de l'accueil Blanche-Goulet. On se disait, si on avait 150, 200, on serait content. Mais là, je pense que c'est au-delà de tout ce qu'on aurait pu penser. Oui, vraiment. Alors, mais écoute, on fait ce qu'on peut hein, pour attirer de l'argent. Moi, je suis prêt à danser, à donner des câlins. Ça peut aider là, à donner 20 piastres, là, ça me fait plaisir. Mm-hmm. Aussi, bon, on a encore des dons, voyez-vous. Ah, bonjour, madame. Bonjour. Pourquoi c'est important pour vous de donner à la Guignolée? Je sais c'est quoi manquer de sous, là. Je suis pas riche-riche, mais je sais qu'il y a plus pauvre que moi encore. Merci beaucoup, madame. Et je leur souhaite des belles fêtes. Oui. Vois-tu, Pat, ça se passe en direct, même si on a officieusement terminé. Oui, les gens aiment ça, donner de l'argent à Gaspé. On va venir plus souvent, mon Dieu Seigneur. On t'attend n'importe quand. Puis l'an prochain, je pense qu'on est ouvert à toutes les collaborations possibles. On n'est pas fermé, là. On n'est pas fermé, puis même qu'on va le refaire l'an prochain. Oui. C'est déjà confirmé? C'est déjà confirmé. Pouf, comme ça. Combien, Pat, tu penses qu'on a ramassé? Écoute, bien là, on avait dit 500 $ à peu près. Mais d'après moi, ça doit peut-être 700-800. Peux doubler ton 500. Oh, je pense que M. Doras peut terminer. On va aller le voir. Alors, on est rendu exactement à 1024 $. Qu'est-ce que ça représente? 1024 $, écoute, c'est une grosse journée. Alors, on rajoute ça aux 25 400 que nous avons. Donc, on est à 26, c'est peut-être 27 000. On ne sera pas loin du 27. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce qu'à 26 000, c'est dans les meilleures années, je pense, c'est de la Guignolée? C'est pas la meilleure année, mais c'est dans les bonnes années, effectivement. Mais c'est sûr que par rapport à l'an passé, on a au-delà de 2 000 $ de plus. Incroyable. À l'an passé. Mais c'est sûr qu'il y a eu des années où c'était vraiment l'extraordinaire, là. Mais ça, on oublie ça, on reste dans le présent. Là, ça confirme que l'an prochain, on le refait? Moi, je ne le refais pas, mais d'autres personnes vont le faire sûrement. Merci beaucoup. Pat, là, ça met beaucoup de pression là, sur les gens de Chandler, de Passepébiac, de Pointe-à-la-Croix. Ça va être ça, le challenge, la compétition, à savoir quel secteur de la Gaspésie est le plus généreux. Ça, sans rien enlever, là. Mais vraiment, c'est le fun. Peu importe le montant que vous donnez, soyez généreux, puis donnez ce que vous pouvez, c'est ça l'important. Je suis vraiment content. C'est le fun, merci. Merci beaucoup, Patrick Giguère de CHNC. Merci, Nelson Sergery de Télé-Gaspé et CHNC. Je vous parlais hier en dernière heure du message ou de la réponse du ministre Pierre Moreau via son attaché de presse à la sortie lundi des élus de Gaspé, qui est préfet aussi de la MRC de la Côte de Gaspé, Daniel Côté, de Délisqueur et de Chiroussi et de Gaétan Lelièvre, où on demandait finalement... On veut être consulté, on veut savoir ce qui se passe exactement dans le dossier de Bourque. Alors, on avait reçu comme réponse qu'il serait prématuré, je vous le rappelle, de la part du ministre, de tenir une séance d'information parce qu'on n'a pas... on est juste en phase exploratoire, on n'est pas en phase d'exploitation. Alors, grosso modo, c'est la réponse du ministre. Voici ce qu'en pense le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, et un petit mot par la suite sur ce qui se passe au niveau de la santé, parce qu'il y a eu question ce matin à l'Assemblée nationale également. Monsieur Lelièvre, bonjour. Oui, bonjour. Comment réagissez-vous à la réponse du ministre Pierre Moreau qui dit que le dossier d'informer la population, puis les gens, puis les élus, ce serait prématuré à ce stade-ci? Bien, écoutez, d'abord, je vais mettre en contexte, tout va vite. Hein? On a fait un point de presse, le préfet et maire de Gaspé, Daniel Côté, ainsi que la mairesse de Mandeville et moi, lundi matin. Suite à ça, j'ai sollicité une rencontre avec le ministre Moreau, rencontre que j'ai obtenue mardi, donc dès le lendemain. J'ai eu une rencontre au-delà d'une heure avec le ministre Moreau. Je devais lui parler de plusieurs enjeux économiques de la Gaspésie et sociaux comme ministre régional. Puis je vous dirais qu'on a pris l'heure au complet pour parler strictement du dossier des hydrocarbures. Donc, moi, j'ai eu quand même des échanges que je qualifierais de très intéressants. J'ai senti encore une belle ouverture de la part du ministre pour... je vous dirais, collaborer avec les élus et le député là, dans toute la question des hydrocarbures. Et j'ai pris connaissance le lendemain du communiqué ou de la réponse que son cabinet a transmis à différents médias en Gaspésie. Je trouve qu'il y a comme une déconnexion. En tout respect, là, puis je dis pas ça pour blâmer le ministre, parce que vous savez, un ministère, c'est gros. Il y a beaucoup de monde. Puis moi, quand je regarde les discussions, puis... je dirais les réponses que j'ai eues du ministre Moreau mardi soir versus ce que je lis dans le communiqué. Je sens qu'il y a tout un écart entre les deux
entre les deux éléments, entre ces deux éléments-là. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que je suis déçu du communiqué. Puis, je reconnais pas les réponses ou le positionnement, là, en tout cas fidèle, là, de ce que le ministre Moreau m'a transmis comme information mardi lors de notre rencontre. Alors la question, c'est est-ce qu'il va la transmettre, cette information-là, ou non? Bien, écoutez, l'information, moi, je suis convaincu qu'autant du côté du communiqué qui a été émis par le cabinet que du côté des réponses que le ministre m'a données, toute l'information n'est pas disponible. Et ça, c'est ce qu'on dit, là, c'était l'objet du point de presse du préfet, de la mairesse de Murdoch et de moi lundi. On dit qu'il y a beaucoup d'informations qui n'est pas divulguées, puis on se demande si le ministère l'a, puis s'il l'a, on veut l'avoir, puis on a demandé un échéancier qui est le 1er mars. Bon, autant la rencontre avec le ministre Moreau que le communiqué du ministère nous démontre là, clairement que toute l'information, effectivement, n'est pas encore disponible, mais le ministre, lors de la rencontre que j'ai eue avec lui, disait clairement qu'il n'y avait pas de demande sur la table concrète pour aller de l'avant dans le dossier de Bourque côté pétrole, qu'il n'avait pas de demande de permis de déposer, qu'on était loin d'être là, puis qu'il fallait faire une distinction. Ça, c'est rassurant. Moi, je trouve que c'est rassurant, là, personnellement. Je vous dis pas que tout est réglé. Je vous dis pas que je suis satisfait de la réponse ou des réponses reçues totalement, mais je vous dis qu'il y a un élément rassurant, c'est que le ministre a quand même confirmé que le rapport de la compagnie, la société Proulx, ben, c'est un rapport d'un consultant externe. C'est pas un positionnement officiel de la compagnie. La compagnie ne s'est pas positionnée encore à 100% par rapport à ça, mais surtout, le gouvernement ne s'engage pas à donner suite à tout ce qu'il y a dans le rapport de Proulx. Puis ça me rassure d'entendre ça, en partie. Je dis bien rassure, en partie, parce que le ministre a été clair, là, l'entreprise peut bien demander ce qu'elle veut, les consultants indépendants peuvent bien écrire ce qu'ils veulent, mais ultimement, c'est le gouvernement qui va décider s'il y a poursuite. Et si on poursuit, puis comment la poursuite des travaux d'exploration pourrait éventuellement s'effectuer. Donc, moi, ce que j'ai senti, c'est, regardez, là, le feu n'est pas pris. On prend le temps de regarder ce dossier-là. Les gens sont aussi surpris au ministère qu'on passe là, du gaz naturel au pétrole de façon un peu, je dirais, surprenante. Tout le monde est très surpris de voir ça. Donc, je vous dirais que l'élément rassurant de la rencontre avec le ministre, c'est que il n'y a pas de démarche d'enclencher présentement pour donner un oui aveugle, pour émettre des permis, des certificats, sans effectivement que les réponses posées par les élus et l'ensemble de la population, parce que les élus, là, autant le préfet, la mairesse que moi, on représente notre population. En tout cas, la majorité, la grande majorité de notre population, ce qu'elle dit, c'est on n'est pas fermé au pétrole puis aux hydrocarbures. Mais on veut, si jamais ça se fait, on veut être informé correctement, on veut être consulté, puis avoir un mot à dire sur ce projet-là avant que ça va de l'avant, parce qu'on a des questions fondamentales, surtout depuis qu'on évoque la fracturation. Puis ça, le ministre m'a dit, écoutez, moi, je comprends très bien votre position, puis j'ai écouté votre point de presse, j'ai écouté vos questionnements, puis je peux vous dire qu'on va travailler ensemble pour essayer de répondre au maximum de vos interrogations, puis à même envisager la possibilité d'une rencontre prochaine en Gaspésie, encore pour avancer dans l'information. C'est lui-même qui l'a proposé, sans avancer de date précise. Donc, c'est là où j'en suis rendu. Je veux donner l'heure juste. Je peux pas me prononcer juste sur le communiqué. Ce serait de mauvaise foi de ma part. Ce serait pas être honnête de faire ça, parce que j'ai eu une rencontre personnelle avec le ministre où il y a eu d'autres informations qui ont été dévoilées. Donc, ce que vous donne aujourd'hui comme position, comme information, ça reflète non seulement le communiqué, mais surtout la rencontre que j'ai eue avec le ministre Moreau le mardi. Parfait. Autre dossier maintenant, vous êtes intervenu ce matin à l'Assemblée nationale pour questionner les urgences, le sort des urgences de Murdochville et de Grande-Vallée à la lumière de ce qui s'est passé il y a deux semaines du côté de Passepébiac. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que le ministre avance? Non, absolument pas. C'est satisfaisant, c'est clair. Je trouve même qu'il y a un recul dans la détermination du ministre de la Santé de défendre les services 24 heures, 7 jours par semaine avec présence d'un médecin dans les CLSC de la Gaspésie, notamment en ce qui me concerne ceux de Grande-Vallée et Murdochville. Je trouve même qu'il y a un affaiblissement
de la position du ministre. Si on regarde les déclarations dans les médias que le ministre a fait dans les journées qui ont suivi, malheureusement, le décès de la personne de l'abbé des Chaleurs, aujourd'hui, on voit que le ministre patine très, très bien. Il enrobe tout ça, puis finalement, après 3 tentatives, j'ai pas pu avoir un engagement clair du ministre à l'effet qu'il s'engageait à confirmer le maintien d'un médecin en tout temps au CLSC de Mordeauxville et Grande-Vallée. C'est clair que c'est insatisfaisant et je vais continuer à pousser ce dossier-là et à exiger, je dis bien exiger, que le 6, dans ses orientations, dans sa planification stratégique, appelez-le comme vous voulez, dans la répartition de ses effectifs médicaux et aussi le ministère de la Santé, que ces deux instances-là prennent tous les moyens pour assurer la présence d'un médecin au CLSC de Murdochville puis au CLSC de Grande-Vallée 365 jours par année et 24 heures par jour. Ça, je ne démordrai jamais. Puis je vais être encore plus vigilant, c'est ainsi, parce qu'on a une menace au-dessus de la tête. On le sait, un déficit au niveau du 6 de la Gaspésie. Il y a tout près de 1 million de dollars à couper. Je dis bien à couper. On va arrêter de jouer avec les mots. Et je veux m'assurer que les coupures ne se feront pas sur le dos de la santé et de la sécurité des citoyens et citoyennes du comté de Gaspé, puis encore moins des citoyens et citoyennes qui sont à des centaines de kilomètres. On parle des gens de Grande-Vallée, des gens de Petite-Vallée, de Chlorudom, des gens de Madeleine, des gens de Murdochville. On parle de gens qui sont à plus de 100 kilomètres d'un hôpital. Et c'est pas vrai que le député de Gaspé va cautionner et accepter qu'il y ait une coupure de service dans la présence médicale dans ces deux CLSC-là, c'est clair. Je vous dirais que le combat ne fait que commencer, tant qu'à moi. Et ça, je ne lâcherai pas ce dossier-là, soyez-en certains. Okay. Un mot sur le rapport du 6 qui a été dévoilé ce midi, là, face aux événements de Bonaventure, justement. Écoutez, je l'ai regardé, j'en ai pris connaissance. Je préfère ne pas commenter. C'est un dossier qui se passe dans le comté de mon collègue Sylvain Roy. J'en ai discuté avec le député Roy tout à l'heure. Je vous dirais que pour moi, c'est pas rassurant. Je vais m'arrêter là. Ce n'est pas un communiqué qui me rassure comme député de comté de Gaspé, hein, dans lequel j'ai 2 CLSC, notamment Murdochville et Grande-Vallée, qui sont voisins. Et le communiqué ne me rassure pas quant à la sécurité et la santé des citoyens du comté de Gaspé à partir du communiqué qui a été émis par le CLSC. C'est loin de répondre aux véritables interrogations, tant qu'à moi. Merci beaucoup, M. Lelièvre. Merci à vous. Lire aux propos de Pierre Moreau de son cabinet face à la position du gouvernement du Québec par rapport à la demande des élus qui voulaient avoir toute l'information. En réaction, le porte-parole d'Environnement Vert Plus est avec nous cet après-midi, Pascal Bergeron. Monsieur Bergeron, bonjour. Bonjour. Vous venez de l'entendre comme moi, Gaétan Lelièvre. Oui. Vos premières réactions à chaud? Premièrement, il va voir Pierre Moreau en lui demandant de l'information sur les projets. Ça me semble complètement farfelu. On a vu Pierre Moreau répondre à l'Assemblée nationale à une question de Manon Massé sur l'argent investi dans ces projets-là, dans le projet Bourque. On sait que le gouvernement du Québec a mis plusieurs dizaines de millions de dollars là-dedans. Comment est-ce qu'on peut prétendre que c'est une source impartiale alors qu'il fait aussi office de promoteur dans le projet? Ils ont 45 % des parts dans Bourque. Ça tient pas la route. Ça va prendre un mécanisme indépendant pour se pencher là-dessus si on décide d'aller de l'avant. Bon, là-dessus, on semble dire que le rapport de Sproul ébranle les certitudes par rapport au fait que ce projet-là va aller de l'avant. À la relecture du rapport, on arrive à quelque part entre 600 000 puis 200 millions de barils de pétrole. Ils appellent ça... Ce qui est récupérable ou extraitable. Pétrole récupérable. Je ne me souviens plus du nom exact, là, mais de ce qui serait potentiellement récupérable, 600 000 à 2 millions de barils. 600 000 barils, là, c'est une journée et demie de la consommation du Québec. On va-tu vraiment aller sacrifier 2 rivières à saumon en Gaspésie pour une journée et demie de consommation? C'est tout ça qu'on est en train de me dire, là? Ça n'a aucun sens. Après ça, il semble y avoir une différence dans la tête de nos élus entre un projet de pétrole puis un projet de gaz naturel. Ce sont les mêmes techniques qui seraient employées dans un cas comme dans l'autre. Il y a du gaz naturel et du pétrole à Bourque. Qu'on le voit comme un projet de l'un ou de l'autre, les conséquences sont les mêmes au niveau de l'extraction. Parce que les deux vont sortir.
Parce que les deux vont sortir en même temps. On ne pourra pas retenir un dans le sol pendant qu'on va sortir l'autre. Les deux vont sortir en même temps. Si on privilégie le pétrole, on va torcher le gaz. Si on y va pour le gaz naturel, on va quand même sortir le pétrole, mais ça va prendre les infrastructures pour gérer ça. Puis là, ça devient problématique parce qu'il faut les rentabiliser, ces infrastructures-là. Ça veut dire qu'on va être pris avec un plan à long terme pour exploiter du gaz naturel dans la région. Est-ce qu'on veut vraiment se ramasser avec ça? Daniel Côté a l'air d'avoir un préjugé hautement favorable par rapport à un développement de gaz naturel, parce qu'il y aurait une barge de liquéfaction dans la baie de Gaspé qui serait associée à ça. Est-ce que la population de Gaspé a été consultée là-dessus? Comment ils peuvent dire qu'ils ont l'approbation de la population par rapport à un projet de barge de liquéfaction dans la baie de Gaspé? Est-ce qu'ils ont sondé les gens? Je pense pas. Même le sondage qu'ils ont fait pour aller chercher l'opinion de la population de la MRC sur les projets d'hydrocarbures ne parle pas de ce projet, ou très peu, de ce projet de barge dans la baie de Gaspé. Fait qu'il y a ça. Un autre élément qui s'ajoute à ça, c'est le fait que Daniel Côté répète cette ineptie que le gaz naturel est un combustible de transition. C'est faux. La communauté scientifique, il y a un consensus là-dessus. Le gaz naturel, c'est pire que le diesel au niveau des changements climatiques. Ça brûle moins, ça génère moins de CO2 à combustion, mais ça génère plus de gaz à effet de serre étant donné tout ce qu'on échappe dans l'atmosphère. OK? Puis, il y a un autre point par rapport à ce que Gaétan Lelièvre disait. C'est le fait qu'il se laisse rassurer par le fait que le projet Bourque n'est pas prêt d'aller de l'avant. Oui. Bien, c'est le ministre qui le dit, lui, dans la communication qu'on a reçue, j'ai fait état hier, c'est qu'on est juste à la phase d'exploration, on est loin de l'exploitation, et avant d'informer les gens sur l'exploitation, il faut d'abord avoir les études. Mais Junex, en novembre 2015, a demandé un bail d'exploitation pour sa propriété de Galt. Ils sont rendus à forer le 6e puits, puis ils ont fait ces demandes-là au ministère et ils sont toujours en attente de réponse. Est-ce qu'on devrait avoir un processus d'information sur Galt? Bien, si la logique, c'est que quand on arrive à la phase d'exploitation, on devrait automatiquement enclencher ce processus-là, où est-ce qu'il y a le processus? Comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Parce qu'on a un préjugé favorable par rapport à Galt? Parce que le promoteur a dit qu'il n'allait pas avoir de fracturation, sauf si c'est nécessaire? C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. On a parlé gaz naturel, pétrole, Bourque, Galt. En bout de piste, là, on peut comprendre à la limite les élus qui n'ont pas l'information, demander au gouvernement, donnez-nous l'information, parce qu'il semblait dire qu'on a l'information des gens comme vous, les écologistes, on a les informations des pétrolières, mais on n'a pas, la vérité entre les deux. Et c'est ça que le gouvernement, c'est ça que les élus cherchent à avoir du gouvernement. Et le gouvernement dit, ben, on les a pas ces informations-là. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant dans le processus qu'on sait même pas qu'est-ce qu'on pourrait faire à moyen terme ou à long terme à Bourque? C'est inquiétant. Les élus pourraient prendre des mesures pour s'informer. C'est pas parce que on est contre ces projets-là qu'on n'a pas d'informations pertinentes à amener à la table. Je pense que la position qu'on a par rapport à ces projets-là vient du fait que justement on s'informe beaucoup sur ces projets-là. On a parlé plusieurs fois avec Daniel Côté d'avoir une rencontre ensemble pour faire le point sur la question. J'allais vous le demander, oui. Ben oui, on ne l'a jamais eu, cette rencontre-là. Ni à la mairie, ni à la table des maires? On a eu 15 minutes avant le Conseil des maires en septembre. On n'a pas eu le temps de présenter grand-chose là. Puis c'était clair, quand on s'est pointé en septembre, qu'il n'était absolument pas question pour la MRC de reculer sur l'appui à Bourque. Puis là, ce projet-là part dans toutes les directions. Puis Délisca a dit en conférence de presse, je la cite, « La résolution est là pour rester jusqu'à ce que la position change. Oui. » On ne changera pas tant qu'on ne changera pas. Non, vous ne pouvez pas continuer à appuyer ce projet-là, à cautionner ce qui se passe là, puis dire, ben, on manque d'informations sur le projet. Vous manquez d'informations, vous retirez votre appui parce qu'en attendant, le gouvernement s'en sert de mais cet appui-là. Mais Daniel Côté semblait dire qu'il y avait une ouverture à revoir la résolution qui avait été adoptée. Elle doit être mise de côté. Pour eux, c'est le retrait carrément. Retrait. On leur demande pas de se positionner contre le projet d'emblée. On leur demande de retirer leur appui. Moreau s'en est servi la semaine dernière en chambre de cet appui-là pour dire « La mairesse de Murdochville veut les jobs. Oui. » Ils ont adopté une résolution d'appui là-dessus. Bien, pendant qu'on maintient cette résolution-là, le Parti libéral au pouvoir continue de s'en servir pour maintenir sa position. En attendant quoi? Alors, c'est de là le prochain geste que vous allez faire, c'est de vous rendre au Conseil des maires la semaine prochaine pour demander le retrait pur et dur.
ça fait plusieurs fois qu'on le demande, puis on va continuer d'y retourner pour leur demander. Puis on invite toute la population à... tous les gens qui se sentent concernés, en fait, à se rendre. C'est à Cloridorme à 17h à l'Hôtel de Ville, mercredi la semaine prochaine. Merci beaucoup, Pascal Bergeron. Ça fait plaisir. Pascal Bergeron, d'Environnement Vert Plus. Tous les matins, on se lève, on a le goût de venir travailler. Chaque jour, il y a toujours des nouveaux défis. La pratique sportive demande de plus en plus de vêtements spécialisés. Peu importe le sport que vous pratiquez, vous trouverez les technologies textiles qui vous permettront de pratiquer votre sport en tout confort au Sport Expert du Carrefour Gaspé à Gaspé. Votre voiture a besoin d'un entretien? Vous avez eu un accident? Vous retrouverez chez Boulay Dodge Chrysler une équipe de mécaniciens d'expérience ainsi qu'un atelier de carrosserie qui saurait remettre votre véhicule en parfait état. Notre devise, le client d'abord. Boulay Dodge Chrysler, au 70 rue Jacques-Cartier à Gaspé. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Nous avons 4 bouchers disponibles pour vous servir. Ils se feront un plaisir de vous préparer les coupes de viande que vous désirez. Du côté des charcuteries et des prêts-à-manger, un repas du jour vous y attend. Toute l'équipe de Provigo Nadine Murray vous souhaite une très belle journée. Égide Dupuis et Fils, votre référence en rénovation. Les experts en peinture MF, soyez bien outillés pour bricoler ou encore construire votre décor de rêve. Et on livre vos matériaux où vous soyez. Égide Dupuis et Fils, entre nous, c'est du solide. Travailler pour Breuvage Gaspé représente beaucoup plus qu'un emploi pour moi. Après presque 30 ans, j'ai développé une relation avec les clients et c'est un plaisir à tous les jours de venir travailler pour mes patrons et avec les collègues de travail que j'ai ici. Le CIS de la Gaspésie a dévoilé ce midi le rapport d'enquête à la suite des événements malheureux survenus le 23 novembre dernier à Bonaventure qui impliquait le non-arrêt d'une ambulance au CLSC de Passe-Pébiac qui a été détourné finalement du côté de Maria. Bien, le CIS affirme qu'il n'y a aucun lien entre le décès d'un homme, de cet homme en arrêt cardio-respiratoire, et le fait qu'il a été dirigé vers l'hôpital de Maria plutôt que le CLSC de Passe-Pébiac. C'est la conclusion de l'enquête administrative donc réalisée à la suite des événements. Et selon le rapport, le médecin à l'urgence de Maria a conclu au décès dès l'arrivée de l'ambulance chez Gérald Cyr. En fait, il est mort à 23h, aux autres 23h30. En fait, quand l'ambulance est arrivé chez M. Cyr, le médecin à Maria dit que M. Cyr était déjà décédé. La présidente directrice générale du CIS de la Gaspésie, Chantal Duguay. L'analyse qu'on a fait, la conclusion, il n'y a aucun lien entre la rupture de service et le décès du patient. La rupture du service, c'est une chose, le décès du patient, c'est une autre chose. Il y aura un nouveau médecin qui va se joindre à l'équipe de Passe-Pébiac dès janvier. Il n'y aura aucune rupture de service dans le futur promettant, sauf dans des circonstances très exceptionnelles, c'est-à-dire qu'à minuit moins quart, le médecin appelle, il est malade, s'est cassé une jambe, puis là, on n'a pas le temps d'en trouver un autre. Mais on assure que ce sera des circonstances très exceptionnelles. On ne changera pas le ratio de 8 médecins à Passe-Pébiac, mais on assure qu'il y aura plus de ressources disponibles. Le CIS aussi indique dans son rapport qu'un coroner n'est pas attitré et on ne croit pas nécessaire non plus de faire une enquête indépendante. On écoute Chantal Duguay. T'sais, moi, je pense pas qu'il y aurait des choses différentes qui ne sont pas justes. La chronologie des événements serait la même. La situation clinique serait la même. Les protocoles seraient les mêmes. Donc, je ne pense pas que les conclusions pourraient être différentes, bien au contraire. Donc, et même s'il y avait un rapport indépendant, parallèle à celui du CIS, je pense qu'il viendrait simplement confirmer qu'on avait une équipe qui a pris des bonnes décisions. On avait deux situations différentes où je pense qu'il n'y avait pas de lien à faire entre la situation de Passe-Pébiac et le décès du patient de Bonaventure. Pourtant, le bureau du coroner nous avait indiqué par courriel mardi qu'il y aurait une enquête avec la coroner René Roussel dans ce dossier-là. Entre-temps, le député de Bonaventure, Sylvain Roy, s'est adressé au ministre Gaétan Barrette à l'Assemblée nationale. On va écouter cet échange qui a eu lieu ce matin. Monsieur le Président, le 23 novembre dernier, un homme est décédé dans des circonstances tragiques à Maria. Alors qu'il aurait dû être transporté d'urgence au CLSC de Passe-Pébiac, à 15 minutes de chez lui, il a plutôt été transporté à Maria, à 56 minutes du lieu de l'incident. Il n'a eu aucune chance. Monsieur le Président, cette tragédie est imputable à une rupture de service qui découle directement des coupes du ministre dans notre région. Après le décès, le ministre a annoncé en catastrophe l'ajout d'un médecin à Passe-Pébiac.
Le ministre a été contredit par son propre CIS qui disait qu'il était impossible de promettre un médecin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La semaine dernière, le ministre a ajouté à la confusion. Il affirmait désormais qu'il y aurait un médecin, mais seulement pour les ambulances de nuit. Les citoyens ne savent plus qui croire. Est-ce que le ministre de la Santé peut garantir aux Gaspésiens qu'il y aura en permanence un médecin de nuit au CLSC de Passe-Pébiac pour accueillir tous les cas urgents, pas seulement ceux par ambulance? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, je me suis adressé à cette question-là lors de la question de notre collègue de Gaspé. Alors, je vais le répéter. Il y a eu un événement qui s'est passé à Passe-Bébiac, tel qu'il est relaté par notre collègue de Bonaventure, et il serait extrêmement, extrêmement imprudent de faire un lien entre le décès de cette personne-là, qui est malheureusement, et nos pensées vont vers sa famille, qui est survenu subitement à la maison. D'ailleurs, la famille a reconnu, Monsieur le Président, que cette personne-là avait reçu les services à leur avis de façon appropriée. Maintenant, par contre, Monsieur le Président, lorsque cette personne-là a été l'objet d'une mort subite à la maison, elle a été transportée en ambulance, et c'est vrai que au CLSC, il n'y avait personne pour le recevoir. En fait, il y avait des gens pour le recevoir, mais il y a une décision qui a été prise que j'ai qualifiée d'inopportune à ce moment-là. Pour ce qui est de la couverture, je l'ai dit aux députés de Gaspé, je leur ai dit à l'instant, la couverture, elle est présente pour recevoir les urgences et recevoir les patients lorsqu'il y a un débit nécessaire au CLSC de Passe-Pébiac. On vient d'entendre l'échange ce matin et on demande à Sylvain Roy, le député de Bonaventure, de réagir au rapport du CIS et il va refaire un petit détour sur la réponse de Gaétan Barrette ce matin. Monsieur Roy, vous avez eu l'occasion de prendre connaissance du rapport du CIS. Vos premières réactions? Ben écoutez, on établit une séquence là, d'événements, puis on fait une analyse de ce qui s'est passé. Mais soit dit en passant, ce sont les gens directement impliqués dans le dossier qui ont fait l'analyse. Donc, bon, ça se passe de commentaires. Les faits sont quand même là. Par contre, certains éléments qu'on trouve un peu discutables, entre autres le fait de laisser savoir que les infirmières ont été très mal vu par des acteurs politiques, entre autres, ou par les médias, ce qui est complètement faux. C'est le CIS lui-même qui a mis à pied de manière temporaire l'infirmière qui était de garde cette soirée-là. Donc, on essaie de passer sur le dos un certain regard critique sur le rôle des infirmières aux acteurs régionaux, mais ce n'est pas le cas. C'est le CIS lui-même qui a fait ça. Quelle conclusion vous en tirez? Ben, écoutez, la conclusion, là, c'est que ce matin, on a demandé au ministre Barrette d'assurer un service d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pour la population de la région de Passe-Pébiac et pour justement répondre aux urgences. Dans ce cas-là, on semble dire que bon, on n'aurait pu rien faire, mais dans d'autres cas, s'il n'y a pas de médecin, c'est évident qu'il va y avoir des tragédies. Et le ministre a été très vague dans sa réponse, donc on n'est pas rassuré du tout. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un service digne de ce nom d'urgence de nuit dans la région de Passe-Pébiac pour éviter que des drames se produisent et se reproduisent. Et là, on essaie de nous dire que bon, regardez, on n'aurait pu rien faire, même s'il y avait eu un médecin. Bon, on noie un peu le chat dans l'eau, mais sauf que le problème, c'est que le problème demeure. On ne sait pas si on va avoir des médecins de manière permanente, qui vont accueillir tout le monde. Parce que le ministre semblait dire qu'on va juste accueillir les gens qui arrivent en ambulance. Mais ça ne marche pas. C'est parce que si quelqu'un fait une crise de cœur chez eux et est apporté par un conjoint ou quelqu'un d'autre, puis il se rend à l'externe, qu'on ne veut pas l'accepter parce qu'il n'est pas en ambulance, on a une rupture de service qui peut être extrêmement tragique pour la population. On sait qu'un coroner a confirmé qu'il a enquêté là-dedans. Le CIS dit que ce n'est pas nécessaire qu'un coroner embarque là-dedans. Il semblerait qu'il n'y aura pas d'enquête du coroner. Donc, et là, on se pose des questions. Nous, ça aurait été extrêmement intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Et là, on ne l'aura pas. Et ça, on dénonce ça. Nous, quand un organisme enquête sur son propre agissement, on peut se poser des questions sur l'orientation de l'enquête, mais aussi des résultats et des constats. Là, on a un constat. Il n'y a aucun problème parce que on n'est absolument pas responsable de rien parce que la personne était décédée avant, etc., etc. Bon, c'est ce qu'on dit. Par contre, si la personne n'était pas décédée, si on l'avait orientée vers
vers Maria, mais c'est ce qu'on a fait. Ben là, est-ce que elle aurait survécu? Pas sûr. Ça fait que là, l'enjeu demeure le même. Nous allons vivre des tragédies parce qu'il y a une rupture de service et que de ne pas avoir de médecin à passer bien, ça peut être mortel pour une partie, pour des gens qui nécessiteraient des soins d'urgence. Merci beaucoup, M. Roy. Ça m'a fait plaisir. Il y a un spectacle de Noël qui va avoir des couleurs d'antan, qui va être présenté la semaine prochaine du côté de Rivière-Ornard, samedi prochain pour être plus précis. Et pour en parler, on a un des organisateurs, le porte-parole de cet événement qui s'appelle Martin Plourde qui est avec nous. Monsieur Plourde, bonjour. Bonjour. Comment est venue l'idée d'abord d'organiser un spectacle d'antan? Bien, premièrement, nous, Country Friend, on avait pensé, j'avais parlé à Colin, mon compagnon, puis il me disait que ça serait le fun de faire un Noël, un spectacle d'antan, comme avant. Fait que là est venue l'idée qu'on a demandé au Plourde, le groupe, qui est Marc-Aurel Plourde à l'accordéon, Hermel Plourde à l'harmonica et Yves Plourde, guitare et voix. Puis là, ils ont trouvé qu'il nous manquait un violon. Fait qu'on a demandé à M. Denis Boulay. Puis là, il y a nous aussi, il y a moi, Martin Plourde, Rénal Quinten, Colin Glish, Jean-Marc Labbé, puis Gino Bond. Fait que de là, les neuf réunis, on pratique toujours pour ça, puis je vous dirais que ça soigne. Ça, oui. OK. Mais quand on parle de Noël d'antan, ça veut dire quoi, ça? C'est les mélodies du temps des années 50, 60? Ça ressemble à quoi, là? C'est, je vous dirais, les traditions d'avant, là, des rilles de violon, des morceaux d'accordéon, des chansons d'avant aussi, chansons de Noël de Marcel Martel, Lévi Boulian. Okay. Il va y avoir une petite consonance country là aussi, ouais. Si je comprends bien. Oui, on va faire aussi des chansons country western de Merle Haggard, de Alan Jackson. Toutes ces chansons toutes de Noël ou avec un mélange de country? Mélange de country et de chansons de Noël. OK. Ouais. Là, on fait ça à la salle Elias Dufresne. J'imagine que la salle va être décorée pour les circonstances. Oui, on décore la salle pas mal de toutes les couleurs de Noël, là, rouge, blanc. Puis on va avoir beaucoup de systèmes de lumière, des grosses lumières comme pas disco, mais je vous dirais. Qui vont faire plus Noël. Oui. Puis au niveau du son, ben, avec le système qu'on a, ben, ça. Je vous dirais que tout va être bien ajusté, puis tout va être. Ça fait déjà quelques semaines que vous pratiquez, donc on est pas. J'imagine qu'à une semaine ou presque, là, on est pas mal rodé. Ah ouais, on est prêt. Toutes nos listes sont faites. Puis... Vous attendez combien de personnes? Avez-vous une idée déjà du nombre de billets vendus? Ou... Là, présentement, on n'est pas loin d'un 150 billets. Oh, donc il faut faire la vite, salle, la salle en contient 300. Fait que. Mais on a toujours des demandes, toujours. Encore aujourd'hui, à matin, j'ai vendu une dizaine de billets. Fait que. Tout est en marche, là. Tout est en marche, puis un très beau spectacle. Fait que vous êtes très confiant que ça se fasse à guichet fermé, finalement, là, qu'on ne pourra pas vendre de billets à la porte samedi prochain, là. Oui, franchement, oui. Oui. Vous avez des collaborateurs qui vous aident, là, des commanditaires? Oui, on a le centre de tissu Mylène Denis de Rivière-Ornard. On a Transport Dupuis de Petit Cap, c'est Simon Dupuis et Sylvain. Oui. On a Pêcherie Gaspésienne, Luc Rive, avec ses compagnons là-dedans. Puis on a aussi nos points de vente qui nous servent de commandite aussi. Il y a Dépanneur Crevier de Rivière-Ornard. On a Dépanneur Coton aussi de Rivière-Ornard. Dépanneur SOS de Gaspé, oui. L'épicerie Marcel Langlais de Saint-Majorique. Alors, tout ce beau monde va vous donner rendez-vous le 16 décembre prochain à Rivière-Ornard. Donc, 300 personnes pour un genre de party musical de Noël. Oui, Noël d'antan, comme avant. Merci beaucoup, M. Plourde. Merci. Martin Plourde organise un des organisateurs du spectacle de Noël d'antan qui aura lieu samedi prochain du côté de Rivière-Ornard. Votre dernier examen de la vue remonte à quelques années? Venez passer un examen et profitez de notre scan rétinien Optomap. Discutez de votre condition visuelle avec les docteurs Louis Thibault et Lucie Tremblay au 8 rue de la Cathédrale à Gaspé.
On est vraiment une grosse famille. Quand quelqu'un a besoin d'aide, on est là pour s'entraide. C'est bien plaisant de voir que c'est tous nous autres qui a fait de beaux bateaux là. L'équipe de mécaniciens de Mauger Ford, composée de Sylvain, Bernard et Alexandre, ainsi que l'équipe d'esthétique composée de Bertrand et Marc-André, sous la supervision de Martin Couture, sauront bien prendre soin de votre véhicule. Au 81 boulevard York Est, Gaspé. Les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire des technologies informatiques qui est un véritable visionnaire. Big Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Contactez-nous au 418-368-3055. Big Informatique est membre de TechSelect. Au cours des derniers jours, le gouvernement fédéral a modifié le régime d'assurance-emploi pour soutenir davantage les personnes qui, c'est le cas de le dire, soutiennent des gens qui sont dans une phase de maladie. C'est important de les accompagner. Et le gouvernement fédéral a compris ça en partie avec une nouvelle prestation bonifiée jusqu'à 15 semaines. Quels impacts ça pourrait avoir pour les aidants, les proches aidants? Amandine Chappelle, elle est la directrice générale de l'appui, c'est-à-dire c'est pour les personnes aidants au niveau de la Gaspésie. Madame Chappelle, bonjour. Bonjour. Quel impact, justement, ça va avoir, ces modifications au régime pour les aidants comme les gens qui aident les personnes malades? Alors, nous, déjà, à l'appui, on se concentre plus particulièrement sur les proches aidants d'aînés. Donc, la mesure qui vient d'être annoncée, qui est en vigueur depuis dimanche par le gouvernement fédéral, c'est une mesure qui vient notamment bonifier les prestations jusqu'à 15 semaines d'assurance-emploi pour des personnes qui sont proches aidants d'adultes. Originalement, c'était plus au niveau des aidants d'enfants ou de plus jeunes. Mmh. Et là, aujourd'hui, on vient de faire un pas de plus dans la reconnaissance des proches aidants d'adultes, mais dans des cas particuliers, des cas de maladie, d'aggravation de maladie ou d'accident. Donc, évidemment, 15 semaines, on s'entend que c'est quand même 3 mois. Donc, c'est très précis dans un temps. Mais c'est pas évident parce que, si la personne apprend qu'elle a un cancer qui est guérissable, là, le 15 semaines peut être utile. Mais là, quand on apprend que c'est quelque chose qui est incurable ou qu'une maladie prolongée, le 15 semaines devient une goutte d'eau, là, finalement. Oui, puis c'est très précis dans la réforme. On parle d'abord qu'il faut avoir un avis du médecin ou d'un infirmier praticien. Donc, on n'est pas obligé seulement d'aller consulter un médecin. On peut aussi avoir l'avis d'un infirmier ou d'une infirmière qualifiée pour le faire. Pour montrer que l'état du patient, donc de la personne dont on s'occupe, s'est détérioré et que les dents auraient besoin d'avoir besoin de passer du temps avec la personne qui l'aide. Donc c'est très précis, c'est dans des cas où par exemple effectivement la maladie se serait aggravée et où on attend évidemment des conséquences un petit peu plus graves. Donc ça peut être en conséquence de fin de vie ou un accident aussi qui survient, mais que là, on sait qu'il va y avoir une rémission tranquillement. Mmh. Ben, on a déjà un 15 semaines tampon, je dirais, pour pouvoir aider la personne. Mmh. Ce nouvelle prestation-là, là, appelons-la comme ça, vient en fait bonifier d'autres programmes qui existaient déjà. Donc, c'est un plus en bout de piste. C'est un plus en bout de piste, puis c'est conciliable avec une autre prestation, qui est une prestation de compassion de 26 semaines. Donc, un aidant naturel dont la personne est tombée gravement malade ou l'état de santé s'est aggravé peut aller chercher ses 15 semaines après l'avis du médecin. Donc, va avoir droit à son chômage sur 15 semaines. Puis, si la situation ne s'est pas améliorée et qu'elle souhaite encore accompagner la personne, elle peut aller chercher 26 semaines de plus. Mmh. Donc, cumuler une quarantaine de semaines, un peu plus d'une quarantaine de semaines, pour lui permettre de prolonger son aidance. Fait que le 15 semaines, c'est vraiment dans une situation très particulière, un court terme un peu urgent. Mmh. C'est sûr que la santé des personnes, c'est du cas par cas. Donc, selon le contexte, elle pourra jumeler cette aide-là avec 26 semaines supplémentaires. Justement, le fait que ce soit justement du cas par cas, est-ce que ça donne pas lieu un peu à de l'arbitraire, là, quand on sait que chaque fonctionnaire qui nous répond peut avoir une vision différente là, de la situation qu'on peut exposer? Bien, le gouvernement fédéral, au niveau aussi du site du gouvernement du Canada, a mis ça assez clair quand même avec des exemples. Donc, je pense que la législation, elle est faite pour bien scinder les cas. Mais il y a une multitude quand même de possibilités. Donc, ça sera peut-être pas au niveau de l'employé ou de la personne qui va nous répondre. Je dirais même que ça peut être au niveau d'abord du personnel de santé qui va donner son avis sur la personne malade, sur son état de santé. Puis après ça, il va falloir quand même faire les démarches. Mais je pense que le gouvernement a compris que ça pouvait s'appliquer évidemment dans une grande multitude de cas.
Donc, il fallait faire une réforme qui était quand même bien scindée, bien circonscrite à des cas exceptionnels d'accident, aggravation de la maladie, phase terminale, par exemple. Malheureusement, on est dans une société qui vieillit et c'est encore plus le cas en Gaspésie. C'est le genre de prestation qui va être de plus en plus utilisée. Donc, est-ce qu'on ne peut pas croire que dans un horizon de 20, 25 ou 30 ans, il n'y aura peut-être plus d'argent pour financer ça? Comment on peut assurer la pérennité de tout ça aussi? Bien, nous, au niveau de l'appui, que ce soit l'appui Gaspésie de la Madeleine que je dirige, mais au niveau de l'appui national aussi, on milite pour la reconnaissance des proches aidants au niveau du Québec, mais aussi au niveau fédéral. Fait que c'est sûr que cette mesure, on l'accueille favorablement, mais on s'attend à ce que ça se prolonge et que ce soit maintenu dans le temps, que les calculs soient faits adéquatement parce que la population, effectivement, du Québec vieillit. La Gaspésie et les îles de la Madeleine, c'est la région où le vieillissement est le plus présent et le plus accéléré proportionnellement au reste de la population. Donc, c'est sûr qu'on doit s'attendre à ce que ces mesures-là soient très, très utilisées puis que ça aille de plus en plus loin. Puis, il y a aussi le fait que les gens partent à la retraite de plus en plus tard. Et nous, on constate à l'appui, avec les études statistiques qu'on mène, que les proches aidants sont de plus en plus à l'emploi. Donc, fatalement, ils vont aller chercher une aide de plus en plus importante. Ils vont avoir droit d'aller la chercher. C'est surtout ça qui est important. Ils ont besoin de répit, ces gens-là. Ils ont besoin de se sentir soutenus puis de ne pas se mettre dans une situation précaire parce qu'ils sont aidants. Fait qu'on s'attend à ce que le gouvernement fédéral évalue ça aussi sur le long terme. Il reste que, la prestation, elle est acquise pour l'instant, mais le combat est à faire quand même parce que les regroupements d'employeurs ne sont pas nécessairement en faveur dans un contexte où il y a pénurie de main-d'œuvre et ça les chatouille beaucoup, là. Il y a ce contexte, effectivement, de pénurie de main-d'œuvre. Il y a le contexte aussi du partage du financement de cette assurance-emploi. Le Conseil du patronat l'a exprimé en fin de semaine. Oui, c'est sûr que ça vient pas forcément faciliter la vie des employeurs. Mais si on regarde vraiment du côté des proches aidants, quand on est dans une situation où l'état de santé de la personne qu'on aide se dégrade et qu'on est à risque d'être précaire financièrement, il faut qu'on ait un second souffle. Et le gouvernement du Canada et l'assurance-emploi, c'est ça qu'ils viennent reconnaître aujourd'hui. Fait que, oui, il va falloir voir au niveau des mesures presque au cas par cas comment ça va s'organiser, mais je pense que le message, c'est de dire on reconnaît la part des proches aidants qui viennent aussi, il faut le dire, alléger le système de santé. Quand vous êtes un aidant naturel et que vous prenez en charge une personne à temps plein ou presque à temps plein chez vous ou chez elle, que vous rendez chez elle, vous venez alléger le système de santé provincial, vous venez faire votre part. Donc, il faut le voir aussi de ce côté-là. C'est une personne qui n'ira peut-être pas nécessairement plus rapidement en CHSLD des soins intermédiaires qui sont beaucoup plus dispendieux à l'État que d'envoyer un chèque de prestation d'assurance-emploi. Exactement. Puis c'est aussi dans un élan de volonté de solidariser les familles, de solidariser les gens entre eux, parce que vous pouvez être proche aidant de quelqu'un qui n'est pas forcément de votre famille naturelle ou biologique. Donc, c'est important de reconnaître cette part-là qui vient alléger le fardeau. Si on parle d'aînés, de personnes aînées, effectivement, on a comme seconde idée les maisons d'hébergement, les centres d'hébergement ou les maisons de rééducation. Un proche aidant peut venir pallier à ce besoin d'hébergement à long terme et vraiment offrir une meilleure qualité de vie aussi aux aidés. Puis en même temps, pour les employeurs, même s'ils sont en désaccord avec le principe de la prestation, une personne qui sait que dans son entourage, il y a quelqu'un de malade, il n'est pas là nécessairement à 100% au travail non plus. Donc, la perte de productivité peut être là. Je comprends pas le débat du Conseil du patronat, là. Je pense que c'est plus un débat financier, de finances, parce que évidemment, on l'a dit, est-ce que cette aide va durer dans le temps en termes d'enveloppe disponible, d'enveloppe budgétaire? Fait que le Conseil du patronat pense comme ça aussi en termes de financement. Est-ce que ça va pas alourdir le fardeau fiscal des entreprises, des organismes? Mais faut le voir comme vraiment une reconnaissance parce que les proches aidants qui sont en emploi, qu'ils soient proches aidants sur le long terme ou sur un très court terme, à plus ou moins d'heures par semaine, ils ont besoin d'un second souffle. Puis c'est effectivement, ça vient... être proche aidant, c'est dur sur la santé mentale. Ça peut être difficile quand vous vous occupez, par exemple, d'une personne qui a la maladie d'Alzheimer ou qui a un cancer avec
avec une gravité pour, et un risque pour sa vie, bien, c'est sûr que vous êtes préoccupé, puis c'est sûr que, à la limite, votre travail, c'est peut-être votre seconde préoccupation. Juste un petit mot, ça fait quelques semaines à peine que vous êtes la nouvelle directrice de l'appui. Comment vous vivez ça? Bien, ça se passe très, très bien. Je suis très contente de faire partie de cet organisme qui vient en soutien aux proches aidants d'aînés. On fait du soutien de projet à travers la région, donc c'est vraiment une belle organisation qui mérite d'être, d'être plus connue aussi. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que l'appui, au niveau national, on a un numéro d'appel pour les proches aidants d'aînés qui cherchent l'information et notamment avec ce qu'on vient de ce dont on vient de parler, l'assurance emploi. Donc, si les gens sont proches aidants d'aînés qui cherchent l'information, ben, il y a la ligne nationale Info aidant, le 1-855-852-7784. 1-855-852-AIDANT, je pense que ça s'appelle comme ça. Puis évidemment, il y a l'appui.org, un site web national où ils peuvent retrouver de l'information. Donc, ils ont du soutien. Puis moi, je suis très fière d'en faire partie au niveau national et vous, régional. Vous vous promenez un peu partout à travers la Gaspésie, vous allez aux îles pour promouvoir l'appui. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Amandine Chappelle est directrice générale de l'appui des aidants naturels. Dans l'univers de l'automobile, il y a des professionnels et Joanne Adams en fait partie. La marque Toyota n'a plus de secret pour Joanne. Profitez de cette belle énergie et d'un service impeccable de l'équipe de Gaspé Toyota. Venez la rencontrer en tout temps. Venez rencontrer l'équipe d'Omar Doer Antonin Aspiro qui se fera un plaisir de vous accompagner dans le choix des outils et des accessoires nécessaires pour compléter vos projets au 87 rue du Banc à Rivière-au-Renard. Savoir faire. Vous avez besoin d'équipements sportifs? Venez rencontrer l'équipe du Sport Expert du Carrefour Gaspé qui se feront un plaisir de vous conseiller pour satisfaire tous vos besoins en équipements sportifs au 418-361-5247. Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guylain Normand, directeur pièces et services, Terry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens, et Guy Cloutier à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspé, le service après-vente positif, notre priorité. IGA Crosnier vous propose fraîcheur et qualité, sans compter les services exclusifs à Gaspé. Découvrez notre vaste gamme de produits prêts à manger. Trouvez tout sous un même toit au marché IGA Crosnier. Météo pour ce soir et cette nuit, c'est un ciel partiellement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige ce soir, minimum à moins 7. Demain, on parle d'alternance de soleil et nuages avec moins 2. La fin de semaine, c'est 50-50. Samedi, du soleil avec moins 2. Puis dimanche, c'est de la neige avec moins 1. On n'a pas de quantité pour l'instant. Je vous invite à rester sur la page Facebook de Télégaspé pour savoir si ce sera comme ça ou comme ça, tout simplement. Petit retour sur le rapport du 6. Mes sources me disent qu'il y a un élément important que le coroner va enquêter dans ce dossier-là. Bon, les faits sont les faits, tels que relatés par le 6. On ne pense pas qu'il y ait matière au 6 à dire n'importe quoi dans ce rapport parce qu'il a été vérifié par le ministère de la Santé. Mais la vraie question qu'on n'a pas encore de réponse, c'est si le patient était parti de chez lui et était allé voir à Passe-Pébiac avant d'aller à Maria, est-ce que ça aurait pu lui donner une chance? Elle est là, la grande question. Et c'est probablement là-dessus que le coroner va se pencher parce que, malgré ce qu'a dit le 6 encore aujourd'hui, il y a un coroner, René Roussel, qui est nommé au dossier depuis quelques jours déjà qu'elle s'active, à ce qu'on me dit. C'est comme ça qu'on est venu à Gaspé aujourd'hui. De ce jeudi, on est le 7 décembre 2017. Ici Nelson Sergerie. Excellente soirée, excellente fin de semaine et on se retrouve lundi. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous.